Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire, inshallah, le corrigé de l'examen 2021 session ordinaire. Alors, elle se compose de 4 exercices. Allons-en, commençons par l'exercice numéro 1. Alors, pour l'exercice 1, on a pour x un réel et n un entier naturel, on pose et n égale 1 sur n factoriel, l'intégrale entre 0 et x de t à la puissance n e moins t dt. Alors on doit calculer i0 et 1 et i2. Pour i0, 1 sur 0 factoriel, 0 factoriel c'est 1, alors 1 c'est 1 c'est 1, 0 entre 0 et x, t à la puissance 0, c'est 1, de e moins de t. Une primitive de l'exponentielle de moins de t, c'est moins e moins dt moins t entre 0 et x. Alors je remplace par x, c'est moins e moins x, et moins moins e à la puissance de 0, c'est 1. D'accord? Donc c'est 1 moins e à la puissance moins x. Donc la limite de l'exponentielle de moins x quand x tend vers l'infini, c'est 0, parce que moins x tend vers moins l'infini. Donc la limite de i0 égale à 1. Pour i1, on a 1 sur 1 factoriel, c'est 1, donc c'est l'intégrale entre 0x de t e moins de t. On va faire une intégration par partie. On va poser que i égale à t et v' égale e moins 2t. Donc i' égale à 1 et une primitive de e moins 2t, c'est moins e moins t. D'accord? Donc i1 égale i fois v, donc moins t fois e moins t entre 0 et x, plus moins l'intégrale de i' fois v, moins si plus e moins 2t. Ça, c'est i0. Donc, on peut ici écrire c'est i0. Donc, plus i0. Donc, ici, c'est... Alors, si on remplace x d par x, c'est moins x, l'exponentielle de moins x, et si on remplace par 0, c'est 0, et i0 égale à 1 moins l'exponentielle de moins x. Donc, la limite de i1, c'est la limite de cette quantité, la limite de l'exponentielle de e moins x, c'est 0, et la limite de moins x, l'exponentielle de e moins x, c'est 0, parce qu'on a la propriété limite de x à la puissance n e moins x quand x tend vers plus l'infini égale toujours à 0. D'accord? Alors pour i2, on a 1 sur 2 factoriel sur 1 demi t au carré e moins 2t dt. Alors on va faire aussi une intégration par partie. I égale à t au carré, v' égale e moins t, donc i' c'est de t, et une primitive de l'exponentielle de moins t, c'est moins l'exponentielle de moins t. Donc i2 de x égale à 1 demi fois cette quantité moins si plus 1 demi fois 2, alors je simplifie par 2, t e moins t dt. D'accord? Alors ça c'est i1. Cette quantité, c'est i1. Cette valeur, c'est i1. Donc, c'est, je remplace ici par x, c'est moins 1 demi, x à la puissance 2, e moins x, et i1 égale moins x, e moins x, moins l'exponentielle de moins x, plus 1. Donc, la limite de i2, ça tend vers 0, et ça tend vers 0, et ça tend vers 0, donc égale aussi à 1. Maintenant, deuxième question. Pour la deuxième question, on doit montrer que n plus 1 de x égale à n de x moins x à la puissance n plus 1, l'exponentielle de e moins x sur n plus 1 factoriel. Alors, on a n plus 1
de x égale à 1 sur n plus 1 factoriel, l'intégrale de t à la puissance n plus 1 au moins t dt. Alors, on va faire une intégration par partie. Alors, on va poser u égale à t à la puissance n plus 1 et v' égale à l'exponentielle de moins t. Alors, cela implique que u' égale à n plus 1 fois t n plus 1 moins 1, c'est t à la puissance de 1. Et une primitive de e moins de t, c'est moins e moins de t. Donc, u n plus 1 de x égale u fois v, c'est 1 sur n plus 1 factoriel, 1 sur n plus 1 factoriel, u fois v, c'est moins t à la puissance 1 plus 1 au moins de t, moins 1 sur n plus 1 factoriel, l'intégrale de u prime fois v. U prime fois v. Donc c'est moins n plus 1 t à la puissance n moins, de, moins t dt. Alors je commence par ce terme-là. Alors u plus 1 sur u plus 1, c'est 1 sur n factoriel. Moins 1 sur plus. Et t à la puissance ne moins 2t. Moins, alors je remplace ici par x, c'est moins t moins x à la puissance 1 plus 1 e moins x sur n plus 1 factoriel. Ce terme-là, c'est exactement un de x moins les moins x à la puissance 1 plus 1 e moins x sur 1 plus 1 factoriel. Alors, on a bien montré l'égalité. Pour la troisième, déduire que un de x égale à u0 de x moins la sommation de x à la puissance k plus 1 e moins x sur k plus 1 factoriel. Alors, on va raisonner par récurrence. Alors, pour n égale à 1, on a un de x. D'après la question 1, on a fait une intégration par partie. On a trouvé que u1 de x égale à u0 de x moins x l'exponentielle de x sur 1 factoriel. D'accord? Alors, vous pouvez faire une intégration par partie comme on a fait première question. Donc, égale u0 de x moins x l'exponentielle de x. Et x l'exponentielle de x, alors ce terme s'écrit sur cette forme. Alors, 2k égale à 0 jusqu'à 1 moins 1, c'est 0. Alors, le seul terme qui peut prendre k dans cette k, c'est 0. Donc, x e moins x sur 1 factoriel. Alors, maintenant, on va supposer que cette relation est vraie pour n, pour tout nombre inférieur ou égal à n, et n égal à u0 moins cette sommation. Et on va montrer que n plus 1 égal à u0 moins la sommation de k égale à 0 jusqu'à n, ici c'est n moins 1, ici n, de x à la puissance k plus 1, e moins x sur k plus 1 factoriel. Alors d'après 2, on a un plus 1 de x égale à un de x moins x à la puissance 1 plus 1, l'exponentielle de moins x sur 1 plus 1 factoriel. Alors, un de x, je le remplace par u0, moins la sommation de k égale à 0, x à la puissance k plus 1, l'exponentielle de moins x sur k plus 1 factoriel, moins ce terme. Alors, ce terme-là, je peux l'ajouter dans la sommation. Alors, ici, pour k égale à moins 1, c'est x à la puissance n, e, moins x. Et pour k égale à n, c'est x à la puissance n plus 1, l'exponentielle de x, n plus 1 factoriel. Alors, je peux faire la somme de ces termes avec cette sommation. Alors, je verrai que c'est la sommation de k égale à 0 jusqu'à n de x à la puissance k plus 1, l'exponentielle de moins x. Et j'obtiens la relation que je cherche. Alors, conclusion, on a un de x égale à u0 de x moins la sommation de k égale à 0 de n jusqu'à n moins 1 de x à la puissance k plus 1 l'exponentielle de moins x sur k plus 1 factoriel. Maintenant, on va passer à la quatrième question.
quatrième question, on a la limite de un de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de u0 de x moins la sommation de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de x à la puissance k plus 1 e moins x sur k plus 1 factoriel. Or, la limite de xn e moins x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, et ceci quel que soit n, alors on a la limite de x à la puissance k plus 1 e moins x sur k plus 1 factoriel égale à 0, parce que la limite de cette quantité égale à 0 sur k plus 1, c'est toujours 0. Et ceci, quel que soit k, appartient à 0 jusqu'à n moins 1. Alors, pour k égale à 0, on trouve que cette limite égale à 0. Pour k égale à 1, on trouve que cette limite égale à 0. Pour k égale à 2, on trouve que cette limite égale à 0. Jusqu'à k égale à n moins 1, alors toujours on trouve que cette limite égale à 0. Alors, d'après la linéarité de la limite, alors la limite de cette sommation égale toujours 0. Donc la limite de un de x égale à la limite de u0 de x. Et on a calculé la limite de u0 de x, la question 1 égale à 1. D'accord ? Donc toujours la limite de un égale à la limite de u0 égale à 1. On a trouvé que la limite de u2 égale à 1, la limite de u1 égale à 1 aussi. Première question. Exercice 2. On doit calculer, montrer que la limite de l'intégrale de 1 moins cos de t sur t, t à la puissance 3 dt de ax dx égale à 1 demi log de b sur a. X est un réel positif strictement. Et A et B, ce sont des réels positifs strictement, tels que A inférieur strictement à B. Alors, on doit calculer ça d'après la formule de la moyenne. On a l'intégrale de AX dx de 1 moins cos de t, t à la puissance 3 dt égale à l'intégrale de AX b de x 1 moins cos t sur t au carré fois 1 sur t. Alors, ça, c'est f. Et 1 sur t, c'est la fonction g. Donc, on a la fonction f, t, 1 moins cos t sur t au carré, y continuer sur l'intervalle ax, b et x. D'accord ? Et la fonction t, 1 sur t, est positif et intégrable sur ax, b de x sur cette intégrale. Alors, ce sont les deux conditions de la formule de la moyenne. F doit être continuer sur l'intervalle et g doit être positif et intégrable sur l'intervalle. Donc, d'après la formule de la moyenne, il existe un élément c de l'intervalle à x tel que cette intégrale-là égale f de c, donc c'est 1 moins cos de c sur c carré, l'intégrale de ax bx, g, c'est 1 sur t dt. Alors, on a d'une part l'intégrale de 1 sur t de ax jusqu'à bx. Alors, primitive de 1 sur t, c'est log, donc c'est log de b de x moins log de ax, puisque le b positif et x positif strictement, donc c'est log de bx sur ax, donc c'est log de b sur a. Et on a, quand x tend vers 0, alors, c appartient à cet intervalle, donc c doit être tend vers 0 aussi. Alors la limite de cette intégrale quand x tend vers 0 égale la limite de 1 moins cos c sur c au carré log de b sur a quand c tend vers 0. Et d'après l'indication de l'exercice 2, la limite de 1 moins cos c sur c au carré quand c tend vers 0, c'est 1 demi. Donc on a bien montré l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, on doit étudier la nature de l'intégrale A. Alors, on voit que on a problème au 0 et problème à la borne 1. Alors, on doit diviser l'intégrale sur 2. Et on va voir qu'est-ce qui se passe au voisinage de 1 et au voisinage de 0. D'abord, la fonction qui fait associer chaque élément x
par x au carré plus 1 sur racine de x, 1 moins x, est une fonction localement intégrable sur l'intervalle ouvert 0, 1, car elle est continuée sur cet intervalle. Donc on doit diviser l'intégrale sur 2 et on va voir qu'est-ce qui se passe dans les deux bornes. Alors, soit c'est un élément de 0, 1, au voisinage de 0, on a x au carré plus 1 sur racine de x, 1 moins x est équivalent à 1 sur racine de x. Si on remplace ici x par 0 et x au carré par 0, alors cette fonction est équivalent à 1 sur racine de x. Et on sait que l'intégrale de 1 sur racine de x est un intégrale de Riemann qui converge car x à la racine de x, si x à la puissance de 1 demi, alpha égale à 1 demi, donc converge parce que alpha est inférieur strictement à 1. Donc, on va dire, et puisque l'intégrale de 1 sur racine de x entre 0 et 6 dit de x y converge car c'est un intégrale de Riemann alpha égale à 1 sur 2 inférieur strictement à 1. Donc, cette intégrale y converge, donc son équivalence est converge aussi. D'accord? Et au voisinage de 1, on a x au carré plus 1 sur racine de x, 1 moins x, si on remplace racine de x par 1 et x carré par 1. Elle est équivalente au voisinage de 1 à la fonction 2 sur 1 moins racine de x. Alors, ça aussi, c'est un intégrale de Riemann qui diverge parce que ici alpha c'est 1. On va faire un changement de variable, on va faire t égale à 1 moins x. Alors, l'intégrale de 2 sur 1 moins x égale, alors si on fait ce changement, il est facile, on peut calculer, égale c'est 1 moins c de 0, 1 moins c de 2 sur t, dt. 1 moins c c'est inclus dans 0 et 1. Donc l'intégrale 2 sur t est diverge car alpha égale à 1. Donc cette intégrale est converge, l'intégrale de 2 sur 1 moins x est converge de c jusqu'à 1. Donc l'intégrale de x au carré plus 1 sur racine de x moins 1 x est diverge. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que a est divergente au voisinage de 1 et convergente au voisinage de 0. Alors on peut conclure que a est divergent. Alors pour b, alors on a problème en moins l'infini et plus l'infini. Alors, on doit diviser l'intervalle sur 2. Alors, on a d'abord la fonction qui fait associer chaque élément x par x au moins x au carré est une fonction localement intégrable sur l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, car il est continu sur cet intervalle. Donc, soit c appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, alors on va calculer la fonction intégrale sur l'intervalle cx pour tout x appartient à c plus l'infini, et on va calculer la fonction intégrale sur l'intervalle xc, et on va étudier la limite de f1 et la limite de f2. Alors, c'est clair que si la limite de f1 existe et la limite f2 existe, alors on peut déduire que l'intégrale est converge. C'est ça la définition de la convergence des intégrales. D'accord? C'est la première propriété de la convergence, ou bien c'est la définition de la convergence. Alors, pour f1, la fonction intégrale f1 de x, c'est l'intégrale entre cx de te moins t au carré dt. Alors, c'est moins 1 demi le primitif de e moins t au carré, parce que primitif de e moins t au carré, c'est moins 2 t e moins t au carré. Alors, si on multiplie par moins 1 demi, c'est t e moins t au carré. Alors, je peux remplacer t e moins t au carré par moins 1 demi, le primitif de e moins t au carré prévu. Donc, c'est intégrale égale à moins 1 demi, e moins t au carré entre c et x. Alors, je remplace premièrement t par x, je trouve moins 1 demi e moins x au carré. Moins moins, c'est plus 1 demi e
moins c au carré. Et on a la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini égale 1 demi e moins c au carré, car ici e moins x, x au carré quand x tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini, donc moins x au carré tend vers moins l'infini, alors cette quantité là tend vers 0. Alors la limite de fn égale à 1 demi e moins c au carré existe. Et cela implique l'existence que l'intégrale entre c et x de, pardon, plus l'infini de, cela implique que cette intégrale entre c et plus l'infini de la fonction xe moins x au carré d de x converge. D'accord ? Parce qu'il y a l'existence de cette limite. Alors l'intégrale entre c plus l'infini est converge. C'est pareil pour la fonction f2, la fonction intégrale, on doit le calculer. C'est l'intégrale de t au moins t au carré entre x et c. Alors on fait la même chose. E moins t, je remplace premièrement par c et deuxièmement par c. Alors je trouve que c'est 1 demi e moins x au carré moins 1 demi e moins c au carré. Alors la limite de f2 quand x tend vers moins l'infini, c'est toujours quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, donc moins x au carré tend vers moins l'infini, toujours cette quantité tend vers 0. Alors la limite de f2 quand x tend vers moins l'infini égale moins 1 demi e moins c au carré existe. Alors cette limite existe et cela implique l'intégrale entre c et moins l'infini de x, e moins x au carré d de x converge. Donc, conclusion, b est converge. Alors, on a trouvé que l'intégrale entre c et plus l'infini converge, et l'intégrale entre c et moins l'infini converge. Conclusion, B converge et veut la limite de f1 de x quand x tend vers plus l'infini plus la limite de f2 quand x tend vers moins l'infini. Alors cette intégrale égale à la limite de f1 quand x tend vers plus l'infini plus la limite de f2 quand x tend vers moins l'infini égale 1 demi e moins c au carré moins 1 demi e moins c au carré égale à 0. Maintenant, passons à l'exercice, je pense, 4. Alors, l'exercice 4, on doit résoudre l'équation différentielle E égale y seconde moins 2 y prime moins 3 y égale à x y x au carré plus 1. Franchement, les équations différentielles, c'est pas grand chose parce que on doit seulement suivre les étapes. Alors, si je comprends les étapes, je résoudre chaque, n'importe quelle équation différentielle de degré 2 de cette forme. Alors premièrement, l'équation caractéristique de l'équation différentielle sans second membre, alors je dois résoudre premièrement l'équation sans second membre. Alors l'équation caractéristique, c'est r au carré moins 2r moins 3 égale à 0. Alors je calcule la déterminante, delta égale à 4 plus 12 égale à 6, parce que moins 2 au carré moins 4 fois moins 3, c'est 16. Alors, les solutions de cette équation, c'est R1 égale à 2 plus 4 sur 2, c'est 3. Et R1 égale à moins B, c'est 2 moins 4 sur 2, c'est moins 1. Alors, la solution de l'équation sans second membre, YH égale à l'exponentielle 3x plus BE moins x. Alors, les racines que je trouve ici, je l'écris dans l'exponentielle. Alors, l'exponentielle de 3x plus B, l'exponentielle de moins x. A et B, ce sont des réels, n'importe quel réel. D'accord ? Alors, maintenant, on doit chercher une solution particulière. Alors, on va poser la solution particulière. YP égale à AX au carré plus BX plus C. Pourquoi on cherche
une solution sous la forme d'une polynôme de degré 2 parce qu'on a la fonction égale à une polynôme de degré 2. D'accord? Alors on doit chercher une solution de degré 2. Alors, yp égale à x au carré plus bx plus c. Donc, y', le dérivé de y, si 2ax plus b. Et y second, la dérivée seconde, c'est 2a. Je remplace yb et y', p et y second, p, dans l'équation E. Je trouve y second, c'est 2a, y second, moins 2, facteur y', si 2ax plus b, moins 3y, moins 3ax au carré plus bx plus c. C'est yb égal à x au carré plus 1. Alors, je développe si 2a moins 2 fois 2, c'est moins 4ax, moins 2 fois b, c'est moins 2b, moins 3ax au carré, moins 3bx, moins 3c égal à x au carré plus 1. Ce sont des simples calculs. Alors, je factorise ici, c'est moins 3ax au carré. Alors, je factorise plus x, c'est plus moins 4a, moins 3b. Moins 4a, moins 3b. Et ici, il reste 2a moins 2b moins 3c. Alors, égalité de deux polynômes, alors les coefficients sont égaux. Alors, moins 3a égale à 1. Moins 4a moins 3b égale à 0 parce que ici j'ai 0 fois 0x parce qu'on n'a pas le terme de x. Donc moins 4a moins 3b égale à 0. Et ici 2a moins 2b moins 3c égale à 1. Alors a égale à moins 1 sur 3. Alors je remplace a et je calcule b. Ça c'est calcul, on le fait dans le brillant. Alors, je trouve que B égale à 4 sur 9. Et je remplace A et B ici. Et je trouve C égale à moins 23 sur 27. Donc, YB, je remplace A, B et C par ces valeurs. Alors, YB égale à moins 3X au carré plus 4 sur 9. X moins 23 sur 27. Conclusion, les solutions de E, ce sont la somme de la solution de l'équation sans second membre plus la solution particulière, c'est AE, l'exponentielle de 3x, plus B, l'exponentielle moins x, moins 1 sur 3x au carré, plus 4 sur 9x, moins 23 sur 27. C'est fini pour cette vidéo. Inch'Allah, on va essayer la vidéo prochaine de faire un résumé. Alors, les intégrales de Riemann ou les intégrales généralisées, comment on les calculait. Et aussi, on va faire un résumé sur les équations différentielles, comment on le calcule. Alors, je vais essayer, je vais faire mon possible pour faire ces choses avant l'examen. Je vous souhaite une très bonne chance. Au revoir.